Bon, je dois arriver là. C'est prêt? Bientôt, je me dépêche. 200? Moi je dis que c'est trop 200. 180 c'est mieux, non? Bah non. Ça va pas être sec là, 200? Bah je pense pas. Ouais. Tu nous as fait quoi avec? Des patates et des haricots verts. Pas d'oignons, pas de poivrons? Non, j'en avais pas. Ça? C'est de la salade ça? Bah oui. Bon, j'en veux pas de ça. Et si tu peux couper un chouïa plus fin, ça mange pas de pain, hein? La table, c'est bon? Ouais. Ah bah, tiens. Ta gueule, pépette! Saucisson corse aux noisettes. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose. Bon, allez, je goûte. Je t'en prie. Merci. Non, t'as pris un sacré coup de soleil. Ah non, mais moi, avec ma peau de blond, mais je déguste à chaque fois. Mm-hmm. Allez, Patrice, t'en as pas pris, serre-toi. Ouais, bah attends, je regarde les photos. Ah, puis vous avez fait plein de randonnées. Ah oui, non, mais la rando, c'est notre truc, hein. Et vous partez bientôt? Ah, m'en parle pas. Je touche du bois, que mes vacances soient acceptées. Je les ai posées, ben, dans un mois, pile, on part. Normalement, j'ai des collègues en plus, elles doivent prendre leurs vacances aussi, donc j'espère que nous, on pourra partir. Hein. Ouais. Allez, Patrice, te fais pas prier, on l'a ramené spécialement pour toi. Ça bah, goûte-le si tu veux, attends, je vais tenir. Mm-hmm. Vas-y, Pat, vas-y. Allez, un petit morceau. Oui. Merci. Pépette. Oh, pépette. Allez, vas-y, chope-la. Et dégage-la. Mais méchant, pépette. Vigène, pépette. Au coin. C'est beau, hein? C'est super chouette, ouais. Ça donne envie. Et voilà. Attention. Ça a l'air bon. Attention. Patrice, la cuisse? Merci. Isabelle, l'aile? Ouais, merci. Oula, ça porte malheur. Ah, mais c'est rigolo, ça. C'est quoi? Bah, tu connais pas? Non. Bah, ça porte malheur, mon vieux, c'est une salière. Ah bon? Ah bah oui, c'est pour ça que je viens de jeter du sel par-dessus mon épaule. Ah non, je connaissais pas, non? Ah ouais. Bah, Patrice, t'as déjà fini ton poulet? Ah oui. Bah dis donc, il te plaît. Attends, bouge pas, je t'en remets un morceau. Pépé, dégage. T'aurais pas du poivre, s'il te plaît? Ah si, je vais le chercher. Merci. Franchement, elle est pas bonne la cuisine de ma petite femme là? Ah si, si, elle est super bonne. Mais, bébé, alors là non! Cette fois-ci, je t'enferme. Allez! Viens là! Méchante bébé! Bah, qu'est-ce que tu fais? Mais Patrice, ça et va voilà. Pas? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Non, rien. Bah si, dites-moi. C'est lui aussi là! Mais pourquoi il y a du poulet dans la plante? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il est pas bon? Mais évidemment que c'est pas bon, j'en étais sûr. Je te laisse faire en cuisine et tu me plantes le truc. C'est tout sec, je suis sûr. Et lui, il aime bien la bonne bouffe. Putain, Patrice, je m'excuse. Vraiment. Calme-toi, Mathias. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il faut que je vous parle. Voilà. C'est pas évident à dire. Mais en fait, c'est quelque chose que je garde en moi depuis trop longtemps. C'est pas votre poulet, hein, le problème. C'est pas qu'il est pas bon. Non. En fait, voilà. Je vous le dis. Je suis végétarien. Donc je mange plus de viande. Mais c'est pas vrai ce que tu me dis là! Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Vite, ma pâte de lapin! J'aurais jamais cru ça de toi. Alors, tous ces barbecues, quand on était jeune, tu faisais semblant? Bah, je faisais comme tout le monde pour faire illusion, mais c'est pas ma vraie nature. Et tu le sais depuis quand? Depuis tout gamin? Écoute, c'est pas si grave que ça, et puis on va l'aider à s'en sortir. Tu sais, c'est plus considéré comme une maladie aujourd'hui. Et comment on va le dire aux enfants? T'y as pensé? T'es sûr de ta décision? Tu ferais mieux d'y réfléchir à deux fois, hein? Mais c'est toujours moi. J'ai pas changé, je vous aime toujours. Et le père Pougier? Qu'est-ce qu'il va dire, ton père?
Et ta mère, elle va faire une attaque. C'est plutôt la charcuterie qui va la tuer, c'est cancérigène. Tiens, touche ma patte de lapin. Allez, touche-la, vas-y. C'est à cause de trucs comme ça que je suis devenu végétarien. Tu la gardes tout le temps sur toi, même pour dormir. J'ai une collègue qui a une amie comme toi. Les gens n'ont plus honte de l'avouer aujourd'hui. Oui, chérie, ton père est végétarien. Hein? Mais je m'en fous que tu sois gay, je te dis que ton père est végétarien.